Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'ai la Kia EV6 GT. On a déjà fait la Kia EV6, qui avait super bien marché sur la chaîne, vous êtes plus de 200 000 à l'avoir vu, et c'était super. On a fait une Kia EV6 qui depuis a été élue voiture de l'année, une blanche, avec la version de base, et là, on a la version la plus haut de gamme et la plus sportive, la EV6 GT. Qu'est-ce que c'est cette EV6 GT? C'est une EV6, full option, deux gros moteurs électriques, très très puissants, et surtout 585 chevaux. 585 chevaux grâce aux deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Mais surtout, un châssis qui a été bien plus affûté, une montre pneumatique différente, des freins différents. Je vous montre un petit peu tout ça en faisant le tour de la voiture. On fait un petit débrief rapide. On est ici sur des routes dans le sud de la France, le col de Turini. On va pouvoir se faire plaisir avec cette voiture. Le but va essayer de vous montrer ce que ça donne de façon dynamique. Cette voiture, à partir de 72 900 euros, pour une voiture de 585 chevaux, eh ben, ça ne court pas les rues, parce que quand vous faites le ratio au niveau de la puissance, des voitures aux alentours des 600 chevaux, souvent on passe la barre des 100 000 euros. Donc là, on est quand même sur un produit qui est bien en dessous. Et alors, ça ne se veut pas une voiture très sportive, même si elle a un comportement dynamique très très sain et vraiment plaisant. C'est plutôt une très bonne GT. On a beaucoup de puissance et en même temps tout le confort de la Kia EV6. Au niveau de la batterie, on a toujours la batterie 77,4 kWh. Petite nouveauté qu'on a sur celle-ci, c'est le préconditionnement de la batterie. Donc lorsque vous allez mettre dans le système de navigation une borne de recharge, la batterie va s'adapter pour pouvoir recharger donc à la vitesse maximale qui est de 239 kW sur la Kia EV6. Donc EV6 et EV6 GT, on est sur les mêmes puissances, ce qui est vraiment top. Ah oui, petit truc en exclusivité pendant qu'on parle du préchauffage de batterie. Pour tous les gens qui ont acheté une EV6 depuis le début, ça n'existait pas encore. Eh bien, si vous allez chez votre concessionnaire Kia gratuitement, vous allez avoir le droit à une mise à jour. Normalement, ça, vous ne le savez pas encore. Et ben voilà, c'est cadeau. Soyez au courant. On arrive à ces vitesses de recharge grâce à l'architecture 800 volts sur cette voiture. Donc ça aussi, pareil, hein, c'est un vrai, vrai plus. Donc, recharge rapide, 18 minutes, le 10 à 80%. Ça, c'est un gros, gros plus. Si on a des bornes rapides, c'est un avantage. Sinon, on a la charge en 11 kW qui prend 7h30 environ pour une charge complète. Cette voiture, 0 à 100, 3 secondes 5, c'est des performances de supercar, clairement. Elle va jusqu'à 260 km/h, ce qui est plus qu'une EV6 normale, et plus que pas mal de voitures électriques qui veulent sportives, parce que souvent les électriques, elles sont à 220, 250 max, et 260, c'est quand même très très intéressant. Donc on a deux moteurs. On a une puissance de 480 kW, c'est ce qui fait l'équivalent de 585 chevaux, et 740 Nm de couple. Le couple, c'est ultra impressionnant. On a un bébé de plus de 2 tonnes. Alors le couple là va être très important pour pouvoir tracter et propulser cette voiture. Petite chose à noter, c'est la voiture la plus puissante jamais produite par Kia. 585 chevaux dans une Kia. Qui aurait pensé ça il y a quelques années? Et c'est vrai que l'électrique, ça nous amène des possibilités de puissance extraordinaires et démentielles comparées à ce qu'on connaissait, quoi. Parce que 585 chevaux, c'est une Ferrari il y a quelques années, hein. Au niveau de l'autonomie, c'est donné pour 424 km puisqu'on a deux moteurs. Elle fonctionne quand même avec principalement le moteur arrière lorsqu'on est en mode éco ou qu'on n'a pas besoin de tracter avec l'avant ou qu'on ne sollicite pas énormément la voiture. Alors elle consomme un petit peu plus qu'une EV6, due également à ses pneus parce qu'on a des Michelin Pilot Sport 4S pour une meilleure accroche, un meilleur freinage. On a les jambes plus grandes, je vous montre ça sur le côté. Et vous savez ce qu'ils ont fait les petits coquins? Ils ont même mis un mode drift. On peut débrayer totalement le moteur avant et rouler que avec le moteur arrière en mode drift. Avec le mode drift, on a 367 chevaux sur les roues arrière. Ça, c'est très intéressant. Et donc, 367 à l'arrière et 218 sur la partie avant. Sur cette voiture, quelques petites modifications au niveau du bouclier avant. Alors, pas grand-chose. On pourra noter ici que c'est devenu vertical et la partie chromée ici qui n'est plus ici à l'horizontale, qui est verticale simplement. Sinon, on a toujours les feux avec le clignotement défilant, les feux Matrix LED, vraiment le top de la technologie, les caméras 360. Si vous voulez voir vraiment un essai complet de la EV6, regardez mon essai de la Kia EV6, vous tapez mécanique sportive EV6, vous allez voir l'essai le plus complet d'Internet. Bon, sur le côté, première chose qui va nous choquer, ça va être ses jantes et ses freins vers néon. On a des gros, gros freins à l'avant ici en 4 pistons, des disques, on dirait montés presque sur bol alu, mais je pense pas, c'est juste des aciers allégés. 380 mm à l'avant. 360 à l'arrière. Gros 4 pistons ici pour un freinage très efficace, on le verra pendant l'essai. Et à l'arrière, on a un simple monopiston, alors assez gros. Sinon, sur le côté, si on n'avait pas ces jantes de 21 pouces,
ça pourrait être une Kia EV6, hein, comme on la connaît de base. En rouge, je la trouve vraiment très très sympa, mais ses jantes plus ses gros freins, ça la rend encore plus désirable. On a une suspension pilotée. Alors, la suspension pilotée est super bien travaillée. Elle va éviter d'avoir du roulis, donc la voiture reste vraiment à plat. Pas de roulis, même en mode sportif ou en mode confort. Après, en mode confort, elle reste quand même confortable. La suspension à l'avant a été, il y a raffermi et l'opposé s'est rendu plus molle. Il s'agit de 8%. Et par contre, durci à l'arrière. Alors ça, parce que effectivement, c'est vrai, certains ont dit qu'elle était un petit peu ferme à l'avant. Moi, je trouvais ça très correct, mais un petit peu plus soft à l'avant et un petit peu plus ferme à l'arrière pour les accélérations qui sont plus puissantes. Également avec ces suspensions, lorsqu'on va accélérer fort, on a l'anti-squat à l'arrière. Ça veut dire que quand vous allez accélérer très fort, la voiture va durcir la suspension arrière pour ne pas qu'elle justement elle s'appuie trop sur l'arrière et sur les freinages. Très puissant, eh bien elle va durcir l'avant pour ne pas que la voiture plonge. Donc la voiture, en fait, elle reste tout le temps à plat, comme une vraie voiture de sport. Sur l'arrière, on retrouve toujours ce béquet ici, comme on l'a sur le V6 de base, avec double perforation pour laisser passer l'air. Toujours cette sorte de petite queue de canard ici, le long bandeau, vraiment, qui fait qu'on reconnaît à n'importe quel moment la Kia EV6, donc toujours avec ses lignes, du foulette bien sûr, les clignotements défilant à cet endroit-là. Petite partie nouvelle sur l'arrière, c'est le bouclier arrière, donc qui change également. Donc au lieu d'avoir ces parties de réflecteurs en horizontal, on les a en vertical. Le feu de recul est ici, donc pareil, de façon verticale, un petit peu plus façon Formule 1, et toujours un petit diffuseur très sympa. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version GT, ce sera vraiment le top du top. Donc tout est peint, on n'a pas de plastique apparent et autres. C'est pareil, toutes les options sont incluses. Les seules options, c'est de pouvoir avoir la peinture mate. Le reste, tout est inclus dans cette voiture. Allez, je vous emmène rapidement découvrir l'arrière pour vous montrer les quelques petites différences. Bon, toujours un plancher totalement plat dans la voiture. Ça, c'est le gros avantage des plateformes électriques. Et surtout, regardez, là, on a des sièges sport, des baquets, donc qui sont tout en cuir, magnifique. Vraiment, siège très sportif. C'est rare de voir ça dans une Kia. À l'intérieur, on a plastique ici, ensuite de l'Alcantara tout là. Vraiment, c'est joli. Le son méridien. Siège chauffant à l'arrière pour les deux passagers sur les extrémités, les vitres ici. Et regardez, des sièges en Alcantara, toujours pareil, avec ce vert néon qui vient sur les surpiqûres, pareil, fait le tour sur les appuis-têtes. Vraiment quelque chose de très sympa, la coudoir comme d'habitude. Et regardez l'espace qu'il y a devant les jambes. C'est vraiment une voiture limousine presque, hein, parce que la place est juste énorme à l'arrière. Donc toujours ce plancher plat. On n'a pas, cette fois-ci, les ports USB dans les sièges, on les a juste ici, puisque siège sportif, on ne va pas nous mettre de l'électricité dedans. Hop, là, le petit béquet, la petite antenne requin, les poignées hein, toujours affleurantes qui sortent lorsqu'on ouvre la voiture. Pour vous montrer ici, donc la porte ici, cette fois-ci, du moussé sur la partie haute, toujours de l'Alcantara dans cette portière. La moquette ici pour pas que ça fasse de bruit sonore méridien. On rentre, seuil de porte de base, simple. Le petit rappel jeté sur votre tapis, le pédalier en aluminium. Alors ce qui est sympa, c'est regarder le petit détail, c'est moins ici, plus sur la pédale là-bas. On a toujours, vous pouvez voir l'illumination ici sur cette partie de la console centrale, des ports USB toujours un peu partout, du rangement là, là. Ensuite, ça reste hein, vraiment une V6 de base, sauf ces sièges. Regardez, ces beaux baquets. Alors ils maintiennent quand même vraiment bien. On est bien assis et surtout, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont confortable. Souvent, un siège baquet, ben on perd un petit peu en confort, alors que là, pas du tout. Surpiqûre ici, l'Alcantara au centre, ce qui permet vraiment de ne pas glisser, et du cuir sur les côtés. Et franchement, plutôt joli avec le rappel GT en plein centre. Petit autre détail, ça sera cette touche juste ici. Alors, je vais monter à l'intérieur, ce qui va me permettre de vous montrer. Donc là, on n'a plus de batterie du tout dans la voiture. Donc, lorsque j'appuie ici, je vais avoir My Drive Mode et GT. My Drive Mode, c'est quelque chose que je vais pouvoir personnaliser. Et le mode GT, ça va être le mode GT directement. En allant dans les menus, on pourra trouver un mode Drift également. Alors, il faudra aller dans les réglages. Ils ne nous ont même pas montré comment le faire exactement. Sinon, on retrouve vraiment hein, tout le reste comme une Kia EV6 de base. À l'intérieur, les surpiqûres, les petites touches ici, cette partie-là. Et le petit logo GT avec du carbone, je sais pas si c'est du vrai carbone, mais c'est très sympa en tout cas. Bon, voilà à quoi ça ressemble.
Bon, maintenant, on va aller essayer et voir ce que ça donne sur la route, si c'est vraiment plus performant qu'une V6. C'est parti, donc on a cette route fermée, on va se faire une descente pour découvrir la voiture dans un premier temps. On a quelques photographes et sur le côté. Donc, cette EV6 GT, voiture beaucoup plus puissante. Là, je suis en mode sport déjà. On sent qu'on garde toujours cette philosophie de voiture électrique avec une auto qui reste plutôt confortable. Elle est assez grande pour ces grosses routes de montagne. On a une route fermée, donc on peut rouler un petit peu comme on veut. Toujours les modes de récupération d'énergie ici, donc plus. Alors ça, c'est assez marrant. Quand on tire la palette plus, c'est pour avoir moins de récupération. Quand on tire la palette moins, c'est pour avoir plus de récupération. On a le e-pédale également sur cette voiture. Alors ça, c'est un vrai plus. Et le e-pédale, par exemple, sur ce genre de route, ça permet de quasiment jamais avoir à toucher au frein et pouvoir gérer juste avec la pédale d'accélérateur en anticipant bien. On garde toujours cette philosophie d'anticiper avec les voitures électriques et c'est pareil, ça permet de régénérer de la batterie lorsqu'on est à la montagne et pouvoir consommer quasiment zéro énergie sur une descente. Après, on a quand même une voiture de sport, donc si on accélère un peu, ça va y aller. Le e-pédale freine assez bien. On a bien sûr les freins à l'arrière qui s'allument avec le e-pédale. Et si on accélère un peu, là j'étais même pas à la moitié de l'accélérateur. Le but n'est pas de passer à fond là, mais si on accélère un peu plus. Par contre, ensuite on va vraiment toucher la pédale de frein pour les gros freinages. Donc là je vais enlever ces assistances, puisque bon, on a une route fermée. Le but c'est de l'essayer de façon assez sportive. On va pas le faire sur la descente parce que bon, on a quand même un gros bébé. Et je pense que c'est plus sympa à faire sur une montée. On va bientôt arriver et on se refait la montée une fois que tous les collègues sont là. Sinon pour les specs, c'est 585 chevaux. Le couple, il me semble que c'est 740 Nm, je dis pas de bêtises, parfait. 4 roues motrices, on a un différentiel à l'arrière électronique, donc avec une sorte d'autobloquant qui va gérer le glissement entre les deux roues arrière. On a un mode drift également. Le mode drift, malheureusement, on ne va pas pouvoir l'essayer là. J'essaierai de la reprendre en parc presse et limite d'aller faire du drift. Vraiment une session drift avec ça, ça devrait être très très marrant. Bon, en tout cas, sinon, on garde toujours ce confort, ce silence de l'électrique. Il me semble qu'on a aussi un bruit qui peut être activé pour donner cette sensation un petit peu de feeling d'accélération. Parce que sur les voitures électriques, c'est vrai qu'on ne l'a pas. Et comme on a une voiture assez sportive, il y a certaines marques qui le font. Alors Porsche par exemple et Audi ont un bruit qui s'entend même à l'extérieur, qui est vraiment très sympa. Celui-ci non, ce sera juste pour vous à l'intérieur, pour que vous sachiez que vous accélérez. Alors je ne sais pas si vous allez entendre là. On a un léger petit quelque chose. Bon, sinon en tout cas la direction, ça reste plutôt précis, c'est souple. Et en vrai, juste en mode sport, c'est très agréable. Après, on a les modes GT qu'on va essayer sur la montée d'après. D'abord, on se fait un mode sport pour tester. Et ensuite, on se fera le mode GT qui, lui, délivrera toute la puissance et qui sera un petit peu plus permissif. Mais sinon, en tout cas, très bonne voiture, plaisir. Bon, allez, drive, c'est parti. Mode sport. On va voir ce que ça a dans le ventre. Allez. Ça pousse bien. On est déjà à 100. Assez bluffant. Donc, on a... Oh la vache, la tenue de route. Accélère extrêmement bien, la voiture reste vraiment à plat avec la suspension pilotée, même au freinage la voiture reste bien à plat, elle plonge pas, on a une sorte d'anti-squat à l'arrière avec la suspension pilotée et ça tient bien hein. Et on voit qu'on peut quand même jouer avec, c'est assez bluffant. On sent un petit peu le poids sur les gros freinages. Après, on a une route qui est un petit peu bosselée. Par contre, faire le col de Turini comme ça, ça fait plaisir. Merci Kia pour ça, parce que c'est pas tous les jours. Les pneus, on a du Pilot Sport 4S. Donc, bon, c'est un petit peu la référence, hein, parce que c'est monté sur beaucoup d'auto. Là, ça y va bien. Au freinage, on a le gros 4 pistons sur l'avant. Donc, 380 mm, 360 à l'arrière. On a quand même du freinage régénératif, on peut monter jusqu'à 350 kW en freinage régénératif. Oh, ça envoie bien. Vous imaginez si on pouvait fermer des routes comme ça tous les jours. Oh là là. Et ça c'est juste le mode sport. Tout à l'heure on testera le mode GT. Oh, ça accélère fort.
exactement combien on a de puissance quand on est en mode sport et pas en full. Mais, on a 120 sur des petites routes comme ça. Bon, par contre, il faut faire des vrais angles de volant. Ouais, ça marche. Hein. On penserait pas ça de qui en fait, d'avoir 585 chevaux comme ça. D'autoroute sur ces genres de petites routes, c'est du grand n'importe quoi. Et surtout avec une Kia EV6 quoi. On s'y attendrait pas. Et je suis vraiment, vraiment agréablement surpris du grip et surtout de la stabilité de l'auto. M'attendais pas du tout à ça. Je suis très très agréablement surpris. C'est efficace, c'est silencieux, ça reste très confortable. La voiture elle vire à plat tout le long et les relances sont très agréables. Alors c'est pas brutal, ça y va. Le freinage par contre, on sent qu'on a une forte décélération en mode 100% électrique et ensuite lorsqu'on tape dans les freins, on sent que le freinage est assez puissant et comme on a des pneus là qui chauffent bien, on peut se faire surprendre si on n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre de voiture assez sportive. En tout cas, bonne surprise. Bon allez, on a le droit une deuxième fois. Cette fois-ci, on est en mode GT et dans la descente. Oh la vache! Ça marche toujours bien. C'est déconcertant. Alors, en descente, ça nous aide encore plus hein, à pouvoir accélérer. On a une voiture qui fait 2 tonnes, un petit peu plus de 2 tonnes. Le freinage est top. Pourtant, là, les collègues, ils l'utilisent pas mal depuis ce matin et on n'arrête pas. Oh, c'est assez bluffant. Regarde que ça va quand même vite. Ouais. Le but, c'est de rester sur la route. Hein. On ne va pas se mettre dans un fossé. Et comme vous pouvez le voir, l'électrique, c'est vraiment, vraiment bluffant. Hop. Même des vitesses assez indécentes sur ce genre de petite route. Bon, heureusement qu'on a un petit bruit quand même pour nous amener un petit peu de sensation. Mais c'est vrai qu'il manque quand même un petit côté émotionnel pour que ça en fasse une vraie voiture sportive. Mais comme on dit, c'est pas forcément une voiture sportive, c'est plus une GT. Et son nom le dit, hein. C'est l'EV6 GT, elle porte bien son nom. Mais on peut quand même se faire plaisir. La vache, ça pousse toujours bien. Bon, est-ce que vous aimeriez bien faire ça, vous? Ça vous tenterait avec ce genre de voiture? Ou est-ce que vous avez absolument besoin d'un gros moteur? Bon, je vous avoue que là, on a quand même quelque chose d'assez intéressant avec la poussée, parce que c'est assez fou. Il y a peu de voitures thermiques qui donnent cette sensation d'accélération et surtout l'instantanéité, c'est dès qu'on appuie, ça part vraiment quoi. Et le châssis est vraiment pas mauvais. On a quasiment pas de roulis, ça plonge pas au freinage. C'est vraiment pas mal. On a les aides à conduite qui disent que je dépasse un petit peu les lignes, on peut bien sûr les activer. Et les réaccélérations sont toujours assez folles. Par contre, c'est pas brutal et on garde du confort. Mais même là sur ce genre de petite route, normalement ça sautille un petit peu et autres, alors que là
c'est assez bluffant. Et on peut un petit peu la malmener. T'as du frein encore ? Ouais, il reste du frein. Parce que bon, on est quand même sur des routes de montagne, c'est pas fait non plus pour rester trop longtemps de cette façon. On peut se faire plaisir, mais on est sur une voiture 100% d'origine. Après, je pense qu'il y aura peut-être des gens qui se feront des plaisirs avec ce genre de voiture, à la préparer peut-être un petit peu, se mettre des plaquettes un petit peu plus performantes et se faire quelque chose d'encore plus fun. Mais même sur la descente, c'est très très marrant. T'es arrivé. Et voilà, on est au bout. C'est sympa. Bon, on n'a plus beaucoup de batterie. Parce que bon, tous les collègues ont roulé également avec. Il nous reste 9%, mais on va quand même se faire plaisir. Mode GT, le SC, il est un petit peu en mode sport. Et c'est parti. Ça pousse toujours. On est déjà bientôt à 100 et 100 km/h déjà. C'est plutôt efficace. Hein. Et à chaque fois, la reprise d'accélération est bluffante. J'adore. De toute façon, à partir du moment où ça va vite, ça me fait plaisir. C'est plus facile en montée, on a moins peur parce que ça freine plus efficacement qu'en descente. On a un très très bon grip latéral également. Mais bon, si vous voulez, je me tais et je vous fais profiter jusqu'à la fin. Un petit peu, on a le différentiel autobloquant qui fait vraiment vraiment bien son job. Ça permet aux roues de pas patiner n'importe comment. Hop, 5% de batterie. Est-ce qu'on va tenir jusqu'en haut? Je l'espère. Normalement il y a des bornes. Là, on a perdu un petit peu de puissance, malheureusement. On n'a plus tous les chevaux parce que on est bas dans la batterie. Mais même avec 5%, comme vous pouvez le voir, hein, ça marche plutôt bien. Ouais, bon, là, on a quand même pas mal perdu. Bon, c'est un petit peu dommage. On n'a plus toute la puissance. Bon, il doit nous rester quand même 300 chevaux à peu près. On va juste le faire façon plaisir, bien enroulé. Et c'est vrai que bon, c'est le petit point négatif sur cet essai à la fin parce que bon, tous les journalistes sont passés. Mais on a quand même vu tout à l'heure en mode sport, c'était plaisant. Même sur les 5 derniers pourcents, il reste quand même un petit peu de pêche. Mais c'est vrai qu'il reste pas grand chose. Hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était très sympa de venir visiter le col de Turini, pouvoir essayer cette voiture. Alors malheureusement, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais. On n'a plus assez de batterie parce qu'on était beaucoup de journalistes. Effectivement, il y en a certains qui se sont fait plaisir. J'ai pas eu de chance, j'étais passé dans un des derniers groupes. Donc malheureusement, pas pu essayer vraiment le mode GT. Donc l'idéal, ce sera de recommencer en parc presse et de la garder quelques temps pour voir en même temps les consommations et pouvoir la pousser vraiment. En tout cas, cette voiture, elle est très agréable, elle est confortable comme une Kia EV6 de base, elle est toujours aussi spacieuse. On a juste l'avantage d'avoir une voiture qui est beaucoup plus puissante, surtout avec une tenue de route, mais formidable. Une voiture qui prend pas de roulis, qui ne s'appuie pas sur les côtés, etc. Et surtout qui a, même en conduite sportive, en tout cas on l'a vu hein, pendant le mode sport, un petit peu pendant le mode GT sur la descente, eh bien une voiture qui est super saine. Alors, on était sur des routes. Même si on avait une route fermée, on a pu rouler très très vite, mais on restait sur des routes de montagne, donc le but c'était pas de se tuer. Mais on sent qu'elle a un côté sportif avec de très très bonnes capacités cette voiture. Je pense qu'elle s'en sortirait vraiment pas mal. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, le but c'est qu'on arrive bientôt à 100 000 abonnés, j'espère, je compte sur vous. Merci à tous ceux qui me suivent, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.